évidemment parlé persévérance, force mentale, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment, toi, construit et vraiment travaillé, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu assez naturellement et que tu as peut-être moi, renforcé? Je pense qu'il y a des caractéristiques de ma personnalité qui étaient là, qui ont toujours été. Quand j'y pense, j'en rigole parce que je l'ai plus cette cassette, mais pendant longtemps, à Atimaono, à Tahiti, j'en parlais, il y avait mon père qui avait filmé, bon, avec les V8, là, je ne sais plus quand, à l'époque, là, et puis que j'avais revu ça. Qu'est-ce que j'étais grincheux, il me filmait à l'entraînement. Mais voilà, on voyait que il y avait cet aspect-là. D'ailleurs, en me revoyant, je dirais, dis donc, me parlerai à moi-même, disant, dis donc, fiston, tu peux montrer un peu plus de respect à ton père, quoi, dire comment tu lui parles. T'es genre, ah, papa, mets-toi plus là avec ta caméra, là, s'il te plaît. Voilà, et ça, après, moi, ce dont j'ai dû travailler sur moi-même, c'est la maîtrise plus des symptômes physiologiques du stress. Hein. Voilà, parce que quand on est confronté, qu'on connaît tous en tant qu'être humain, je pense. Certaines situations qui déclenchent. La peur d'échec, la peur de la réussite, la peur de gagner, la peur de tout ça. C'est-à-dire que l'adrénaline, ces aspects-là qui font que notre cœur bat au départ du 1, c'est positif, tous ces signes-là qui sont positifs, mais il faut les connaître et il faut trouver ses propres formules. Alors évidemment, moi j'étais parti, bon voilà, j'ai été aussi la belle influence de ma maman qui a fait toute sa vie du yoga, donc qui m'a incité à être conscient de la respiration. J'ai vu, comme j'ai fait psychologie à Stanford, quand moi-même j'ai vu que je me trouvais un peu nerveux, que je me trouvais tendu, je me suis moi-même rapproché de psychologues du sport, et même spécifiquement aux États-Unis, psychologue du golf. Mais quoi qu'il en soit, je pense que tous les champions ont ces attributs de points communs, disons qu'ils en veulent énormément. Un juste équilibre entre exigence et indulgence. Moi, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, je te rappelle, sur mes deux premières années où je trouve regrettable satisfait du fait que j'avais pas de top 10, mais quand même des top 20, deuxième place, mais après, il n'y avait pas eu d'autres top 10. Mais cette alchimie, voilà, entre. Parce que des fois, on en voit des champions se punir et se parler dur. Mais quelque part, il y a le juste équilibre en eux qui, je pense, qui se détruisent pas non plus. Je veux dire, il y a ce quota de stimulation, mais qui n'est pas. Voilà. Alors que le discours interne hyper négatif, malheureusement, est beaucoup trop de notre jeunesse qui est touchée. Quand on a 12, 13 ans, les juniors, que longtemps, je suis nul, pas tout ça. Bon, pour ma part, les jeunes que je connais, quand c'est le cas, j'essaye. Au mieux mes propres enfants pour commencer de leur faire prendre conscience que tiens ça serait peut-être mieux si tu n'utilisais pas ces mots là t'es déçu, c'est normal, mais voilà, c'est pas pour autant que t'es nul et que t'as une bonne marge de progression. Mais dans toute performance, quoi qu'il en soit, il y a eu des choses positives, quoi qu'il en soit, toujours. C'est tout ça qui est passionnant.